Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Aujourd'hui, on va entreprendre une nouvelle aventure. Et nous arrivons directement sur une plage. Nous sommes échoués. Ok, réveille-toi. Mais oui, réveille-toi. Ah, il faut que je clique, ok. Réveille-toi. Oh, la foudre derrière. La foudre qui va être annonciateur de beaucoup de choses, les amis. Vous allez voir. Parce que aujourd'hui, on se retrouve dans Arcane Odyssey. Explorez votre environnement. On va le faire tout de suite. Les amis, c'est un jeu d'aventure qui peut ressembler un peu à Bloxroot par certains aspects. On peut choisir notre style de magie, etc. Et du coup, voilà, on va voir tout simplement si ça vaut le coup. Et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en bas. On rush les 100 000 abonnés. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que vous attendez? Explorez votre environnement. Mais c'est vrai, ça, où suis-je? On a atterri dans un endroit un peu bizarre. Alors, attendez, j'ai vu un truc briller tout à l'heure. Ouah, il y a des bateaux de zinzin là-bas. Wow, wow, c'est la foudre qui pop. Comment ça la foudre pop d'un coup? Oh, voilà, c'est ça qui brille là-bas. Ok, il y a des noix de coco. On va peut-être pouvoir se mettre bien, les gars. Si on mange, on est bien. Oh, c'est stylé, les traces de pas sur le sol, le sable mouillé et tout. Non, c'est stylé. Le jeu est stylé. Je ramasse une noix de coco. Je ramasse deux noix de coco. Et hop, trois noix de coco. On peut sauter. Ok, voyons voir. Vert clair, ok, bah je ramasse des citrons. Ok, d'accord, donc ça c'est des citronniers. Très bien. Oh, mais attendez, mais j'avais pas vu, mais ça c'est un coffre ça. Ok, trois galions. Ok, donc là pour l'instant ça va. On est bien. Explorer environnement, je cherche. Oh, c'est pas une grotte là-bas? En mode, il y a une grotte ici. On peut peut-être se réfugier tranquillement parce qu'il pleut là, frérot. Ah non, c'est pas une grotte en fait, pas du tout. Mais il y a un coffre et ça, c'est pas mal. On va devenir riche, les amis. Parce que Arcane Odyssey, je crois que c'est un jeu Roblox où en fait, on peut bah, tout simplement, un peu comme Bloxroot, monter notre propre équipage, grind en allant attaquer des ennemis et tout ça. Enfin, on va découvrir ça de toute façon tous ensemble, ça peut être pas mal. Mais par contre, je sais pas, ils me disent explorer, je fais que ça, explorer. J'explore depuis tout à l'heure, il y a la foudre qui tombe. Vous voyez pas, je suis en train d'explorer depuis tout à l'heure. Oh, il y a un frérot là. Bah voilà, faut peut-être aller lui parler à lui. Oh, ça doit sûrement être ça. Morden, tu es réveillé. Je pensais que tu serais absent encore quelques jours. Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Dis-moi, on veut tout savoir. Tu ne te souviens pas? Ils ont tué Tucker pendant que nous essayions de nous échapper et je pouvais à peine transporter son corps avec nous sur les bateaux. Ce n'est pas le moment de plaisanter, surtout pas ici, devant sa tombe. Ok, donc on avait un équipage, on s'est fait défoncer et on se retrouve là. Je ne me souviens de rien, frérot. Wait, you're serious? Ok, d'accord, donc ils ont pas tout traduit. Quoi, tu es sérieux? Tu ne te souviens vraiment de rien? Eh ben non, mon frérot. Tu t'appelles Lucas. Oui, c'est vrai, je m'appelle Lucas. Ok, on est juste deux à avoir pu s'échapper parce qu'en fait on était dans un endroit où ils faisaient des expériences magiques sur nous pendant des mois. On a vu des trucs vraiment horribles, mais bon, j'imagine que tu te rappelles de rien. C'est plutôt cool pour toi. Bref, on est libre maintenant. Tu te souviens toujours comment utiliser la magie, non? Puisque nous sommes des utilisateurs de magie, nous allons aller loin dans ce monde. Nous avons juste besoin de rencontrer les bonnes personnes. Tu peux prendre l'un des bateaux à rame et aller où tu veux. Je vais rester ici pour un peu de temps. Je dois réfléchir à quelque chose. Ok, on va se revoir mon frérot. Attendez, on peut utiliser la magie du coup, parce qu'on a choisi un type de magie. Ah bah voilà. Ah mais là on a pas mal de trucs. Ok, donc on a un poignard. On a quoi? On a des citrons, des noix de coco, la magie et les points. D'accord. On a le petit schlass ici. Ok. Ok, c'est plutôt pas mal stylé. Oh là, j'ai ouvert mon inventaire. Oh, je peux mettre ça? Je peux m'équiper de ça? C'est vrai? Je m'équipe de ça, hein. Ok, donc voyons voir. Alors attendez, si on fait 5, on peut utiliser la bagarre. Ok, donc là on est en mode fight. Ok, on se tape avec nos points. On peut le taper? Non, on peut juste lui parler, d'accord. Et on doit aller là-bas, ok. Attendez, on a le poignard. Ok, petit coup de schlass. Ok, bam, 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 bam. On arrive devant un ennemi, on le défonce comme ça. Oh, il y a des notes. Ok, on peut lire des notes. C'est quoi les notes? Ok, bon, je sais pas trop ce que c'est, mais. Saut en hauteur. Wow, on peut sauter super haut. Ah ouais, on peut sauter normal comme ça et on peut faire ça. Oh, il y a un mec ici. Oh, il est parti. Oh, il débute aussi. Oh, j'ai fait quoi là? Oh, qu'est-ce que je fais? Je sais même pas ce que je suis en train de faire, les gars, je voulais juste courir. Ok, bah j'ai fait un truc, ok. Attendez, 4 du coup, la magie. Comment je fais? Q. Wow, j'ai appuyé sur un truc que j'aurais peut-être pas dû. Oh là là. Lui, je peux le. Oh, je suis en train de tout casser. Est-ce que je peux le tuer? Je suis en train de faire des trous dans le sol et tout. Ok, d'accord, c'est pas mal. Et là, les gars, regardez, en fait, c'est pour restaurer mon énergie, d'accord, que je dois faire ça. Oh, mais c'est trop stylé. C'est beaucoup trop classe, les gars. Bon, apparemment, on peut aller prendre un bateau et on va partir à l'aventure là-bas, voyons voir. Et comment je fais pour courir du coup? C'est la question. Ah ouais, c'est ça la touche pour courir. Ah oui. Oui, d'accord. Ok, il y a un petit bateau à rame ici. Allez hop, on va dans le bateau. Elles sont où les rames? Comment je fais? Allez, la foudre! Frappe-moi, je contrôle la foudre maintenant! Ok, ça va, je rigolais, pardon, excusez-moi, le tonnerre me fait peur, un peu peur. Bon, normalement, on devrait trouver un bateau quelque part par là, non? Faut que je les construise, les rames, c'est comment? Un dollar? Ok, merci, je prends des dollars. Ils sont où les bateaux? On m'a dit de trouver un bateau. Petit saut. Biou! Oh ouais, c'est bien stylé. Ça, c'est pas mal stylé. Ok, armor chest. Ok, on prend ça. Ok, des galions. J'ai un petit pantalon de marchand et une épée. Les gars, j'ai trouvé une épée. C'est stylé, ça. C'est quoi, des coquillages? J'ai trouvé des coquillages. C'est génial, les coquillages. Alors, mon épée, un peu. Oh là, du flow. On va les défoncer, couper les têtes là-dedans. Ok, bon, en attendant, j'imagine que c'est le bateau qui était là-bas qu'il faut que je retrouve. Allons voir ça. Petite noix de coco. Salut, mon pote. Est-ce que je peux. Coup d'épée? Oh, il saigne.
Oh, je suis en train de le défoncer. Wow. Tu ne peux pas attaquer les joueurs avant d'avoir atteint le niveau 50. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais excusez-moi en fait. Oh, c'est bon, j'ai fait spawn un bateau. Oh. Ok, s'asseoir, take commande. Oh, nickel, c'est bon, on peut partir. Wouhou, allons-y. Prenons la mer, les amis. Allons à la bagarre. Wow, c'est plutôt stylé quand même, les gars. Le jeu, il a l'air quand même assez complet. Oh, yoyoyoyoy. Wow, y a une île de neige là-bas et tout. Mais c'est vraiment, mais c'est Bloxfruit, mais en plus beau en fait. Est-ce que c'est mieux que Bloxfruit? On va le découvrir. Oh là 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 là. En tout cas, allons là-bas où ça nous met le petit point. Ça a pas l'air très accueillant, tous ces rochers en tout cas. Waouh, ouais, on arrive, c'est stylé. En fait, c'est le port en fait, c'est là où tout le monde se rejoint. Ouh, l'aventure commence. Oh, c'est plutôt classe en vrai. L'eau libre est un endroit dangereux pour les petits navires. Les grosses vagues dans ces zones inonderont lentement les petits navires. Oui, bon, il y a un tout. Ah oui, un petit peu d'eau dans mon. Non, ça va en fait. Ok, Red Wake. Ok, donc c'est là où on devait aller. Bonjour. Hop là. Bonjour, messieurs, bonjour. Oh là, lui, il a l'air mal en point. Il est niveau 3, il a perdu beaucoup de vie. Qu'est-ce qui t'arrive, moi? Oh, Estrid, c'est à toi que je dois parler? Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Pourquoi tu te caches? Les pirates sont venus ici depuis que nos guerriers sont partis chasser. On est sans défense et on se cache. Ok, bah on va aller défendre la ville pour toi, mon pote. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mon pote. Ok, donc attendez, il y a des méchants ici. On va aller défoncer. Ah oui, ouais, chou. Wow. Attendez. Ok, attendez, j'esquive. Hop là, petite esquive, ok, on va s'armer de ça. Un petit coup de foudre. Oh là là. Allez, prenez ça, les gars, prenez ça, la foudre. La foudre vous emportera. Ok, d'accord, ça veut ça. Ok, petit coup d'épée, t'es pas prêt. Attendez, mais waouh, mais ils font mal en plus. Ok, coup d'épée, venez vous. Waouh, je suis dans l'eau, mais on est tombé dans l'eau. J'ai cassé le décor. Ouais, il m'attaque même dans l'eau. Tiens, tu veux bagarre, je te défonce sous l'eau, moi. Viens là, je vais te couper les pieds. Waouh, oh la bagarre. Ok, c'est bon, moins un. Bon, c'est bon, lui, je l'ai eu. Attendez, il y en a un autre. Eh, j'ai plus d'air là. Ah, j'ai plus de stamina. Je peux taper un gigasso. Wouhouhou! Ah ouais, c'est stylé ça! Ok, oh, alors toi, mon pote, t'es foutu! Non, je veux pas retourner dans l'eau! Je vais sortir de l'eau, telle une sirène! Yahoo! Bon, allez, t'es où toi? Viens là! Je vais te défoncer avec ma foudre! T'es où? Oh, je reprends un petit peu d'énergie! Un peu de foudre dans l'eau, normalement, ça fait pas bon ménage! Oh, je suis retombé dans l'eau! Oh, mais il se noie! Allez, boum! Voilà! Défoncé! C'est comme ça qu'on fait ici! Ah, mais en fait, je savais pas que tout l'environnement il se casse en fait! Oh, bah il est là-bas, il est en train de mourir noyé! Salut mon pote! Encore? Oh, il faut arrêter d'être méchant comme ça de la sorte! Attendez, je monte là, hop là, et je vais te défoncer comme ça! Oh, j'ai tout pété! Wow! Tu n'es pas prêt! Oh, il est là! Oh, je vais te défoncer! Aïe aïe aïe, mais c'est que. Attends, je perds un peu de vie là! J'ai plus de magie! Il faut vite que je m'équipe de ma petite épée! Ok! Oh, mais ils savent sauter aussi! Ok, laissez-moi tranquille! Ok, vas-y, viens là! Ok, je te défonce! Oh, voilà! 2-3 coups d'épée, t'es foutu! Oh, j'en ai défoncé un sans faire exprès! Ok, toi t'es foutu, allez viens là, voilà! Je vous défonce moi maintenant! Y'a un problème? Peut-être que quelqu'un d'autre a un problème maintenant? Ça veut que je vous désingue ou quoi? Je suis le nouveau guerrier en ville maintenant! Red Wake! Man made iron! Oh bah alors, qu'est-ce que tu fais là toi? Bah il a sauté dans l'eau! Et un mec est venu m'attaquer, il est tombé dans l'eau! Bah alors mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? Il est où? Bah oui, apprends à nager! C'est d'usage quand même! Bon bah à la prochaine hein! Attendez, je vais aller voir le frérot quand même! Parce que là je crois qu'on a bien réussi hein! Oh non, il reste des méchants! Ah mais vous êtes un méchant vous! Mais prenez ça, prenez votre dû! Je vous défonce, voilà! Viens me battre! Voilà, hop là je reprends un peu d'énergie et boum! 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 Ouah, attendez, mais il veut pas prendre ses dégâts un peu? Voilà, niveau supérieur, let's go! Et on a gagné 3 galions, let's go! C'est pas mal tout ça! Je vais peut-être prendre une petite noix de coco! Hop là, merci beaucoup! Un petit peu de vie! Ah, c'est pour la fin! Ok, d'accord, ça va, j'avais pas trop faim. Bon, et maintenant, je dois aller voir qui? Ok, je dois aller tout là-bas. Wouhou! Je vais me remettre bien déjà au niveau de l'énergie. Oh, oh, ça m'attaque. Mais c'est pas sympa d'attaquer les gens comme ça, mon pote. T'as un problème? Je vais te défoncer, mon pote. T'as un problème avec moi, toi? Bon, fais pas le malin. Tout à l'heure, t'étais très mal en point, t'avais plus de vie, donc on se pas à faire le malin. Quoi, tu veux m'attaquer? Qu'est-ce que tu veux? Je suis invincible. Wouhou! Allez, c'est parti. Où est-ce que ça nous emmène, tout ça? J'ai bien besoin d'une petite bière au bar. Bonjour! Bonjour, je peux avoir une cerveau, s'il vous plaît? Estrid! Ah, mais c'était elle qui était cachée tout à l'heure, d'accord, ok. Est-ce que tu vas bien? Ne vous en faites pas à propos de moi! Vous devez sûrement être fatigué après tout ce combat. Ah, un petit peu, ouais. C'est à moi à boire. Vous savez quoi? Tant que le chef n'est pas rentré pour vous donner votre récompense en main propre, eh ben, je vous donnerai une petite chambre à l'étage gratuitement. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Salut, on s'attrape. Ouh, niveau supérieur, ça c'est cool. À soif, moi. C'est à moi à boire. Hein? Je vais défoncer ton échoppe si tu ne me donnes pas à boire. J'ai soif! Bonjour, Jérôme. Care for a story. Oh non, j'ai pas le temps pour une histoire. Hein. T'inquiète, une prochaine. Je vous raconterai une histoire une prochaine fois. Alors j'ai une chambre du coup? Oui, j'ai celle-là ou celle-là? Oh, j'ai les deux. Oh, apparemment c'était celle-là. Quelques heures plus tard. On a dû bien se reposer après un tel combat acharné. Eh bien, expérience, ok, ça va. On grimpe facilement de niveau. Oh, y a une petite note sur mon lit. City, but forest. Je comprends pas, je connais pas. Peut-être que le chef est revenu. J'aimerais avoir ma récompense pour avoir sauvé ce petit village. Vous savez où il est? Bonjour. Vous êtes réveillé enfin. Vous avez dormi presque un jour. Le chef et ses guerriers sont revenus de la chasse il y a quelques heures. Je lui ai raconté comment vous avez sauvé la ville et il voudrait parler avec vous. Eh ben nickel, merci beaucoup. Allons le trouver, ce petit chef. Oh, j'ai aussi de la nourriture pour vous, ben merci beaucoup. Et donnez-moi tout ça. Wouah, 15 pommes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'adore aider les petits villageois en détresse. Ok, donc on m'a dit que c'était sur ma gauche. C'est par là, non? Bonjour. Ah, vous êtes un armurier? Oh, bah vous. Attendez. Ouvrir ces coffres? Style.
Oh, je peux les voler. Oh, non, c'est pas lui que je voulais parler. Non, t'inquiète, merci. Je peux voler ça? Attendez. Oh, je l'ai volé. Oh, je suis repassé neutre. Je vais devenir méchant. Hein. Oh, je lui vole des trucs. Oh, je deviens méchant. Oh, je deviens méchant en volant des trucs. Désolé. Bonjour, monsieur les gardes. Je vais parler au chef. Bon, ils sont très conciliants, ces gardes. Hein. Ils me laissent passer tranquillement. Merci, les frérots. Alors, mon gars, t'es le chef. Ok, ça fait plaisir. Récompense tout de suite. Bienvenue. Vous êtes donc le petit frérot dont Estrid m'a parlé. Maudit soit ces pirates. Malheureusement, on ne peut pas trouver où est-ce qu'ils se cachent pour mettre fin à tout ça. En tant que chef de Red Wake, je vous remercie sincèrement. Allez savoir quelle destruction ils auraient pu faire si vous n'avez pas été là. Mais oui. Sans mentionner ce qui s'est passé pendant notre voyage de chasse. Il s'est passé quoi, frérot? Apparemment, ils ont vu des choses très très effrayantes. Moi, je veux ma récompense. C'est surtout ça que je veux. Je peux aider, hein. Vas-y, je peux aider. Moi, je veux des récompenses. Ok. Oh oui, 50 galions. Il m'a quand même donné une belle petite récompense. Merci, frérot. On va pouvoir passer à l'armurerie. Hop là, voyons voir ça. Petite armurerie, bonjour. J'ai 50 balles. Oui, je sais ce que tu vends. Allez, dis-moi tout de suite. T'as quoi, frérot? Ok. Alors. Oh, c'est pas mal tout ça. Niveau 50, niveau 20. Bah, je prends ça. Ouais, il faut que je sois level 50. Ah bon? Et ça? Non? Et ça? Je peux rien acheter en fait. Je peux te vendre des trucs si tu veux. J'ai des plein de trucs. J'ai des flèches sur moi si tu veux. J'ai des palourdes. Tiens, je te vends mes palourdes si tu veux, frérot. Bah merci, c'était très peu intéressant de parler avec toi. Ok, lui il vend de la bouffe, d'accord. Lui c'est le chef cuistot, très bien. Merci beaucoup. Et où est-ce que je dois aller? Compléter les quêtes. Bon, apparemment on me dit que je dois compléter les quêtes. C'est quoi? Faut que j'aille parler au chef cuistot, c'est ça? Au petit bonhomme là? Bonjour monsieur le chef cuistot. Ok. Donne-moi des tips pour mieux cuisiner, frérot. Allez, dis-moi tout. Je veux tout apprendre. Enfin, manger. Oh, ok, on peut gagner 11 galions et 70 d'XP. Ben, merci beaucoup. Cook 1000. Ok, bien merci. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais il se bat contre quoi, lui? Il se bat contre un fantôme? Bonjour, je peux vous parler aussi? Voilà, ma maman me le pardonnera jamais. Mais qu'est-ce que t'as fait encore, toi? Ce n'est pas pour toi, OnlyFans. Ce n'est même pas censé exister à cette époque, d'accord? Je peux vous aider. Bah écoutez, je peux vous aider, mais pour un petit prix, hein. Je demande des récompenses. Allez, il faut retrouver une sorte de petit collier. C'est un trésor de famille qu'elle a perdu, d'accord, dans le nord. Et le nord, c'est par là. Peut-être on peut le trouver par ici, hein. Le nord, normalement, c'est par ici si je me fie à ma petite boussole. Surtout que j'ai un petit point là. Bonjour. Ok, donc je peux trouver un truc ici, c'est ça? Ah, c'est dans cette zone, je peux trouver un truc. Ok, bah fouillons la zone. Apparemment, il y a plein de notes par terre, je sais pas à quoi ça sert. Je peux pas rentrer là? Laissez-moi rentrer. Oh, bah le collier, ah, il est là, c'est ça? Ok, je... Attendez, mais c'est ça le collier? Attendez, je vais casser ça. Elle me saoule ces caisses là. Vraiment, comment je fais maintenant? Je suis peut-être allé un petit peu fort. Là, il y a un coffre d'armes, ok, merci. Oh, j'ai récupéré un vieux trident. Ouais, mais c'est quoi ce flow que j'ai là de zinzin? J'ai encore de la place alors dans mon inventaire, alors pourquoi je peux pas prendre le collier? Oh, le trident de zinzin, je vais me battre avec ça, je suis Poséidon, ça y est. Ah, bah c'est bon, je l'ai récupéré du coup. Ah, faut que je retourne. Ah, mais faut que je retourne lui parler, je l'ai récupéré depuis tout à l'heure. Ah, mais fallait préciser ça. Vous êtes qui, vous? Ah, on dirait que vous avez des gros bras. Bah oui, bah vas-y, bah je vais vous aider, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Faut que je construise un pont. Eh, j'accepte. Bah le truc, c'est que eux, ils parlent beaucoup quand même. Hein. Déjà, on va lui ramener son petit collier à l'autre là, madame. Eh, donne-moi de l'oseille. Merci beaucoup. Quelques petits galions, ça me fait plaisir. Youhou, niveau supérieur. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu veux la bagarre? T'as le même pouvoir que moi? Tu vas tomber dans l'eau si on continue. Je vais te faire tomber dans l'eau. Est-ce que t'as un trident comme ça, toi? Moi, j'ai un trident, moi. Je te défonce? Je vais te défoncer, toi, mon grand. Qui êtes-vous? Oui, d'accord. Excusez-moi. Il faut être niveau 83 pour vous parler. Mais excusez-moi, mais c'est vraiment pas sympa. Eh, dégage. Wow, mais c'est une cave à pirates ici. Ah ouais, mais il faut que je tape des gens ici. Ok, on va voir si le trident il fonctionne bien. Le trident marche bien. Oh, le trident il marche bien. Ah oui. Oh, je suis en train de les défoncer. Oi. Oh, je les ai caillassés. Il en reste un petit peu. Bonjour. Allez, toi, prends-toi ça. Mais bouffe mon trident, voilà. Bouffe mon trident. Ouh, caisse à nourriture, nickel, on prend. Hop, caisse à nourriture, mais ils ont pas mal de nourriture, c'est pas mal ça. Ouh, j'ai trouvé une pelle. Avec une pelle que je vais me battre, j'ai un trident, les gars. Un peu de raisin et tout, c'est pas mal. Ça explose ça? Est-ce que ça explose? Oh bah j'ai volé ça. Oh quoi, je peux le vendre? J'ai trouvé un truc que je peux vendre. Bah, je vais essayer de le revendre. Hein. Ouais, j'ai fait des pompes lui. Ouais, pourquoi ils font des pompes? Bon bah qui veut ça? Bonjour, vous voulez ça? Est-ce que vous voulez des barils de poudre? J'ai un baril de poudre sur moi si vous voulez. Oh, peut-être l'armurier. Qui veut de la poudre? Bonjour, vous voulez de la poudre? Je vais vous vendre ça, je l'ai en main et c'est un peu dérangeant. Oh, j'ai de l'herbe sinon. Oh, c'est un peu bizarre dit comme ça, je vous vends de l'herbe. De la poudre, mais bon, c'est vraiment quoi? C'est vraiment ça quoi? C'est vraiment de l'herbe et c'est vraiment de la poudre à canon quoi. Donc bon, je le vends à qui ça? Je peux vous le vendre? Vous voulez ça? Oh, lui il donne des contrats bizarres lui, ok. Oh, il y a des mecs recherchés et... pourquoi je suis pas encore dessus moi? Qui veut ce truc de poudre? Attention, sinon je le mets au-dessus du feu. Wow, bon bah je le lâche, hein, c'est bon. Je vais le faire péter même. Je vais le faire péter! Oh! Non, mais il a vraiment explosé! C'était pas prévu, j'avais pas prévu ça comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, vous? Vous êtes qui pour être dans ma chambre? Sortez de ma chambre! Barre de là! Il est fou celui-là! Bonjour, en fait, moi, j'ai un ami à vous qui m'a dit de venir vous parler parce qu'en fait, je l'ai aidé, vous pouvez peut-être m'aider du coup, donnez-moi des trucs, je sais pas. Mais donnez un truc? Ouh, un peu d'oseille, un flingue, bah oui! C'est pas mal ça, un petit flingue. Ok, ça fait boum, ça fait pan! Voilà, petit pan! 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 Tu veux la bagarre, toi? Tu veux la bagarre? Pan! Pan! Allez, on cuisine, on lui fait une petite recette. Voilà, et je lui ai fait, gros, je t'ai fait une petite recette, elle est magique. Tu m'en diras des nouvelles, hein? Il a pris la potion d'Astérix d'Obélix derrière ou quoi? C'est bon, t'es content? C'était bon, hein? Miam miam, oui, ou miam miam. Oh, on est très près quand même. Nos bouches se collent un peu trop. Ok, bon, on est passé niveau 8 quand même. On augmente les niveaux rapidement. Ah ouais, mais on a une giga quête là-bas. Eh bien, les amis, ce sera peut-être pour un prochain épisode.
épisode. Est-ce que vous pensez que ce jeu peut être mieux que Blox Fruit? Dites-le moi en commentaire et surtout, est-ce que vous voulez d'autres épisodes sur ce jeu? Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. Je suis curieux de voir un petit peu ce qu'on va en apprendre sur ce jeu et sur cette histoire. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut!